C'est bon. Alors. J'espère que vous êtes ici avec nous. Bonsoir Antoine, ça fait un petit moment. Je vais vous envoyer ici le tirage au sort que nous avons ce soir. Bienvenue à tout le monde. Installez-vous tranquillement. J'ai le plaisir d'avoir sur la chaîne ce soir Angélique Barbry, voilà, Bonsoir. qui va être avec nous. Alors, Angélique, je ne sais pas, je ne t'entends pas. Ou est-ce que c'est chez moi? C'est chez toi, moi OK. ça va, on dirait. Donc, je précise que c'est un problème technique qui pourrait arriver souvent chez moi. Que tout d'un coup, j'entends plus rien, je vois plus rien. Il faut que je redémarre mon ordi. Mais heureusement, on est deux. Angélique est là. Donc, je ne vais pas pouvoir t'entendre, Angélique. Ce n'est pas grave. En tout cas, tu vas pouvoir en fait parler un peu de toi. Pendant que du coup, je redémarre, hein, tu pourrais justement voilà, parler de toi et en fait répondre à certaines questions que j'avais préparées. Que là, je vais en fait envoyer sur la partie commentaires. Déjà, finalement, qu'est-ce qu'un rêve? Et déjà, en fait, voilà, les différentes fonctions de rêve, pourquoi parfois on se souvient des rêves ou pas. Bonsoir, Antoine. Voilà. Antoine qui dit bonsoir, Angélique. Bonsoir, Antoine. C'est Voilà. bien, on Donc, je voit vis sur les lèvres. afficher le petit commentaire. Ça s'affiche, ouais. Donc, voilà. Alors, bah, du coup, Angélique, je te laisse finalement te présenter. Et pendant ce temps-là, je vais te laisser seule. Désolée pour ça. Avec aussi, bah, du coup, la question de qu'est-ce qu'un rêve? Et pendant que je redémarre, voilà, je vais essayer de te suivre, en fait, par téléphone, en Ok. attendant de pouvoir revenir. OK. Donc, Alors, ah, bonsoir. peut-être que, est-ce que là, tu m'entends mieux ou pas? Moi, je Non. t'entends, mais je ne Oui, sais tu pas si t'entends. toi, tu Ouais, mais m'entends. je ne t'entends pas. OK. Donc, je redémarre de suite et puis à tout de suite. Je te laisse faire le live. Merci. Donc, bonsoir, bienvenue dans ce live. Je souhaite vous dire tout d'abord que c'est mon premier live et j'ai un peu peur parce que c'est une grande première pour moi. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Je m'appelle Angélique Barbry. Je suis praticienne en sophrologie, en hypnose et en yoga aussi. J'ai un chemin de vie un peu particulier qui m'a assez malmenée quand j'étais adolescente et jeune adulte. Et j'ai souhaité en fait découvrir, je suis partie à la quête de comment retrouver un équilibre, une harmonie dans ma vie, tout simplement. Et j'ai commencé avec les livres, une espèce de bibliothérapie. Et puis, mon chemin a croisé le yoga en 2010. Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Ça m'a permis de me reconnecter, voilà, à mon corps, à mon esprit. Et j'ai retrouvé de l'harmonie grâce au yoga. Et puis, je suis secrétaire de formation et de métier. Et j'ai fait un bilan de compétences. Et j'ai eu, l'occasion de suivre une formation. Donc, j'ai choisi la sophrologie. Et puis ensuite, j'ai poursuivi avec une formation en hypnose. Et lors de ma formation en hypnose, j'ai eu une semaine avec Patricia D'Angeli. Donc, je vous ai pris le livre. Donc, Patricia D'Angeli, le livre Guérir vos blessures intérieures. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu en 2010 et j'ai adoré ce livre, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai eu l'occasion d'aller me former donc en hypnose humaniste
et donc de rencontrer Patricia D'Angeli. Et elle nous a fait une journée de formation sur l'interprétation des rêves. Et comme je suis une grande dormeuse et une grande rêveuse, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à suivre sa journée de formation sur l'interprétation des rêves. Et ça a été comme un déclic. Parce que jusqu'alors, je faisais des rêves, mais je ne savais pas quoi en faire. Voilà, je rêvais beaucoup, mais vraiment, je ne savais pas quoi faire de mes rêves. Et là, ben, le fait d'avoir un peu de méthodologie, je me suis dit, waouh, c'est génial, je vais enfin pouvoir faire quelque chose de mes rêves. Parce que lorsque je rêve la nuit, eh bien, je vis tout un tas d'aventures. Jusqu'alors, je l'ai raconté à mon mari le matin, au petit matin, je racontais les aventures nocturnes que je vivais. Et en fait, cette journée de formation, ça a été vraiment un déclic. Donc, j'ai commencé à prendre un cahier pour faire mon premier journal des rêves. Et ben, j'ai eu beaucoup de matière donc, à tenir le journal des rêves. Donc, je vous inviterai vous-même, si vous êtes des petits ou des grands rêveurs, à les noter, car c'est vraiment le début d'un travail lorsque l'on veut travailler avec ses rêves. Donc, un journal des rêves. Et puis, j'ai eu l'idée ensuite de créer mon cercle des rêves. Avec mes collègues de formation, je leur ai proposé, voilà, est-ce que ça vous dirait de poursuivre ce que nous avons vu en formation avec Patricia D'Angeli? Et donc, j'ai eu des personnes volontaires, enthousiastes, et donc, on a continué d'interpréter nos rêves ensemble et d'échanger sur le sujet. Alors, j'ai beaucoup alimenté le groupe au début avec ce que je faisais comme recherche, comme lecture. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup nourri et c'est vraiment un domaine passionnant et parfois j'ai l'impression que c'est assez illimité parce que c'est très, très vaste. Donc, je vois que vous avez mis des petits commentaires, des bonsoirs, bonsoir Chantal, bonsoir Irim. Voilà, donc merci à vous d'être là et puis merci pour ta présentation, Angélique. Donc, tu m'entends bien Moi, là? je t'entends bien, oui, et Parfait. toi? Ça y est, l'audio est rétabli chez moi. Ok. Merci. Et Ryu qui nous dit également bonsoir. Donc, très très intéressant. Donc, finalement, tu rêves beaucoup. Oui. Ça a toujours été comme ça? Ben, oui, je suis une grande rêveuse, vraiment. J'ai commencé avec une coach, en fait, à faire une formation sur les rêves. C'est-à-dire à créer mon programme d'interprétation des rêves. Et en fait, je continue d'y travailler. Mais le fait de travailler sur moi-même, c'est vraiment un chemin de développement personnel. Tu avais posé la question à quoi ça peut mener l'interprétation des rêves. C'est vraiment un chemin de développement personnel et l'occasion de s'intéresser à tout ce que l'on vit à l'intérieur de soi, donc de travailler son intériorité. Et c'est un travail vraiment d'exploration. Alors, si vous êtes curieux, voilà, vous aimez explorer, en fait, le domaine des rêves, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Donc effectivement, là, c'était la question pour laquelle tu répondais, justement. Je comprends, c'est sur le développement personnel, Oui. l'interprétation des rêves. Mais déjà, avant ça, en fait, est-ce que tu pourrais définir qu'est-ce qu'un rêve? Alors, je vous donne ma définition après mes expériences de grande rêveuse. Et si vous voulez, bah, dites-moi aussi, vous, dans les commentaires, si vous êtes des petits rêveurs, des grands rêveurs, si vous ne rêvez pas, parce que ça arrive, si vous rêvez de manière occasionnelle, régulière, vous pouvez voilà, participer à notre discussion. Ça me fera plaisir d'avoir vos commentaires.
et de savoir quel type de rêveur vous êtes. Donc, qu'est-ce qu'un rêve? Donc, pour moi, le rêve, c'est une projection. J'aime bien prendre l'image d'un film. La nuit, quand on est en train de dormir, notre cerveau, lui, continue d'être actif. Notre corps, lui, est au repos, immobile. Et notre cerveau, lui, continue de fabriquer un film. Donc, c'est pour ça que lorsque vous vous réveillez, vous avez des images. Donc, parfois, elles sont fixes. Vous avez des images fixes. Il vous reste juste une image comme ça d'un rêve. Vous avez aussi des images animées comme un film qui s'est projeté la nuit. Et le rêve, donc, vous avez un mélange entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Alors, le rêve aussi, j'aime bien dire que c'est un espace où il n'y a pas de limite. Dans le rêve, tout est permis, tout est possible, même l'impossible. Vous avez déjà sûrement expérimenté dans vos propres rêves ce que je suis en train de vous décrire. Et le rêve, donc c'est un film, il peut comprendre tout ce qui compose notre vie réelle, donc des situations. Il peut comporter des personnages. Parfois, dans ce film, soit vous êtes acteur dans ce film, c'est-à-dire que vous êtes actif et vous prenez part dans le rêve. Il y a des actions que vous êtes en train de réaliser, ou soit vous êtes témoin du film. Vous êtes à l'écart et vous observez des scènes qui se déroulent. Comme je vous disais, soit il y a une histoire qui se raconte dans ce film, ou soit il vous reste des bribes de rêve, vraiment avec juste des images ou peut-être parfois des paroles aussi, ça arrive. Parfois un rêve nous donne un message, et il y a juste quelques mots. Dans un rêve, il y a donc des éléments comme des lieux. Vous avez les acteurs, on va dire, qui sont dans le rêve. Qu'est-ce que font ces personnages dans le rêve? Donc, vous avez aussi de l'action. Vous avez parfois des animaux, parfois des décors, comme est-ce que votre rêve, il se passe dans votre maison? Est-ce qu'il se passe à l'extérieur, dans une forêt, ou dans la ville, ou dans un lieu que vous avez visité, ou même un lieu imaginaire? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, le rêve mêle le réel et l'imaginaire, le possible et l'impossible. Super, merci beaucoup pour cette explication très très claire. Et quelle est du coup la fonction du rêve? À quoi ça sert justement de rêver? Avec en plus, bon, voilà, ce que je comprends, les rêves, c'est des projections de notre cerveau avec la fois du réel, irréel, possible, impossible, avec des lieux, des personnages, ben, comme un film. Mais ça sert à quoi exactement de rêver? Pourquoi le Alors, cerveau nous fait rêver? le rêve, il est là pour nous aider à maintenir notre équilibre psychologique. Autant, vous voyez par exemple dans la journée, le corps, lui, va chercher l'équilibre en n'étant pas malade. Donc, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie pour le corps. Eh bien, le rêve, ça serait l'homéostasie, mais pour l'esprit. Donc, il assure vraiment de rétablir un équilibre psychologique. Ensuite, il y a la fonction où, pour moi, c'est un lieu d'expression. Je vous ai dit, tout est possible, même l'impossible dans le rêve. Donc, tout peut être exprimé. Dans le rêve, vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de code, vous n'avez pas de morale. Du coup, le rêve, il vous permet, enfin, il se permet de vous faire tout vivre, même forcément ce que vous n'avez pas envie parfois, par exemple dans les cauchemars. Il y a cette fonction de, voilà, pour moi, vraiment d'un lieu d'expression.
où vous allez pouvoir exprimer des émotions, des sensations. Et parfois, ces émotions et ces sensations sont tellement puissantes et tellement fortes que lorsque vous vous réveillez, c'est comme si elles étaient encore présentes. Vous avez, par exemple, eu un mauvais rêve, mais au réveil, vous allez ressentir de l'angoisse ou de la peur. Et puis, le rêve, pour moi, c'est on va dire un matériel qui nous permet de réfléchir. Tout à l'heure, je vous parlais du développement de notre personne. Eh bien, le rêve, il est là aussi pour nous livrer des messages. Alors, je vais vous expliquer l'inconscient. On va dire que c'est le messager et le rêve, c'est le message. Donc, votre inconscient vous amène un message. Et est-ce que vous allez prendre le temps d'écouter le message que votre inconscient vous apporte? Alors, imaginez quelqu'un qui toque à la porte et qui dit j'ai un message pour toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous répondez, vous l'accueillez, bon, voilà, le message sera délivré. Mais si vous dites non, non, mais moi je veux pas savoir, en plus le rêve là il m'a fait peur, non, mais je veux pas connaître le message de mon rêve, bon, en fait c'est comme si vous n'ouvrez pas le message qui vous est destiné à travers votre rêve et donc l'inconscient qui communique avec votre conscient. Encore les fonctions du rêve, j'avais lu, alors je suis pas une spécialiste de ce qui est scientifique. Moi, j'aime bien tout ce qui est de l'ordre de l'expérimentation, mais de l'expérimentation concrète, d'aller vraiment dans la pratique et de pratiquer et de voir quels résultats on a pour soi-même. Et j'avais lu qu'en fait, le rêve, il avait permis à notre espèce de perdurer. Parce que si on n'avait pas besoin du rêve, le rêve n'existerait plus. Notre sommeil avec le rêve n'existerait plus. Donc j'avais lu enfin, au niveau scientifique, hein, c'était un neuroscientifique qui avait dit que en fait, ça permet à notre espèce de survivre. Donc c'est hyper important. Après, il y a une fonction, on va dire, où on voit des scènes qui se projettent, parfois des peurs. On voit une scène, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Par exemple, une relation amoureuse, vous rêvez, hop, la relation se termine dans le rêve. Alors, vous pouvez dire, est-ce que c'est ce qui va se passer? Donc là, est-ce que c'est du rêve prémonitoire? Mais vous pouvez aussi prendre votre rêve, donc toujours prendre le message du rêve. Tiens, il s'est passé ça dans mon rêve, et qu'est-ce que je vais en faire de cela? Est-ce que je peux m'interroger? Est-ce que je peux prendre le temps pour me poser et me poser les bonnes questions? Si par exemple, ah non, non, il n'est pas question d'une rupture, eh bien, est-ce que je peux m'interroger et voir ce que je pourrais mettre en place dans ma relation avec mon partenaire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer notre relation? Donc, une des fonctions pour moi, c'est d'amener de la réflexion, vraiment de nous interroger sur nous-mêmes. Sur ce que l'on voudrait, ce que l'on ne voudrait pas. Et je considère, hein, vraiment de manière personnelle, que les rêves, même si parfois ils sont difficiles, eh bien, il y a toujours un message que l'on peut interpréter de manière positive pour ne pas rester un peu, vous savez, passif, ou dans le sens victime du rêve. C'est-à-dire que vous vivez un rêve ou un mauvais rêve et peut-être que vous vous sentez démuni ou parfois frustré et vous vous dites, ben, j'ai perdu mon pouvoir là dans mon rêve. Eh bien,
reprendre son pouvoir, ça va être justement de travailler sur ses rêves et de revenir actif, de ne plus subir ce mauvais rêve ou ces mauvais rêves ou les rêves que l'on vit dans la nuit, mais vraiment de reprendre son pouvoir de création et vraiment de co-créer avec ses rêves. Je trouve ça vraiment beau. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Déjà, j'ai retenu que le rêve, en fait, ben, finalement, il y a l'inconscient, c'est le messager, et le rêve, c'est le message. Donc, Oui. à travers le message du rêve, c'est d'aller, en fait, faire une introspection, une réflexion de soi, et en fait, s'interroger sur soi-même, sur comment est-ce qu'on a vécu le rêve, comment on a agi, justement, dans le rêve. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette notion de co-créer avec le rêve. Oui. Mais c'est-à-dire que ce qu'on rêve, finalement, reflète réellement ce qu'on est au plus profond. Alors, à la fois, il y a plusieurs types de rêves, mais aller travailler ses rêves, effectivement, on va venir se reconnecter à soi, à ses profondeurs, à venir travailler ses ombres pour vraiment ben, amener de la lumière sur ce qui peut être difficile. Alors, le rêve, il faut toujours le rapprocher avec ce que l'on vit en ce moment. C'est-à-dire que, imaginez une ligne du temps avec le passé, présent, futur, et vous êtes là dans le présent. Aujourd'hui, vous allez faire un rêve. Eh bien, il faut le rapprocher de votre vécu actuel. Pour moi, c'est compliqué d'interpréter le rêve d'aujourd'hui et d'aller. Alors, bien sûr, il y a notre passé, mais on ne peut pas le remettre sur une ligne du temps dans un autre contexte parce que l'année passée, on vivait autrement, autre chose, on n'était pas dans le même système de pensée, de croyance. Donc, on évolue. Et pour moi, le rêve, il est vraiment à remettre là, dans le moment présent. C'est vraiment un cadeau qu'on reçoit la nuit et de l'utiliser, mais dans le moment présent. D'accord, merci à toi. Et du coup, je me posais la question, est-ce que déjà on rêve toutes les nuits? Alors, on rêve toutes les nuits et on rêve aussi plusieurs fois par nuit parce qu'on a plusieurs cycles de sommeil. Le rêve intervient dans la phase de sommeil paradoxale, mais on rêve vraiment plusieurs fois par nuit. Après, que se souvient-on le matin? Est-ce que c'est plusieurs rêves, un rêve ou juste parfois juste des détails. Parfois, on se souvient vraiment juste d'une image ou juste d'une parole ou voilà, d'un détail. Alors, c'est ce qu'il y a aussi à savoir. C'est-à-dire, tout le monde rêve, mais tout le monde ne se souvient pas de ses rêves. On a des personnes qui sont plus sensibles et qui vont vraiment avoir la conscience de ses rêves et de se souvenir dans le détail des rêves. Mais après, par exemple, mon mari, lui, ne se souvient pas de ses rêves. Ben justement, la question, c'est pourquoi parfois on se souvient de ses rêves et d'autres fois pas. Et que du coup, il y a des personnes ben, qui finalement quasiment jamais se souviennent de ses rêves, alors que par exemple, moi, tous les jours, même avec mon copain, on se souvient très bien des rêves, en tout cas dès le matin en se réveillant. Ok, et bien c'est que vous avez la conscience de vos rêves. Alors, tout le monde n'a pas cette conscience et l'état de conscience qui permet de se souvenir des rêves, il est fluctuant. C'est-à-dire que on peut se souvenir de ses rêves à certaines occasions selon est-ce que votre messager a un message à vous apporter ou pas. Si on reprend avec l'inconscient, est-ce qu'il y a quelque chose à vous transmettre ou pas? Donc, quand on ne se souvient pas de ses rêves, ben, ça fait partie des types de rêveurs
Vous avez ceux qui se souviennent beaucoup, ceux qui se souviennent moyennement et ceux qui se souviennent, pardon pour le bruit, ceux qui se souviennent pas du tout de leurs rêves. En fait, tous les types existent, tous les types de rêveurs existent. Et si, par exemple, on ne se souvient pas de ses rêves et que l'on aimerait faire ce travail, on peut essayer de travailler sur ses croyances pour se reprogrammer le mental. Par exemple, si vous vous répétez à longueur de journée, bon, alors je ne me souviens pas de mes rêves, je ne me souviens pas de mes rêves, mais vous donnez la direction à votre cerveau de je ne me souviens pas de mes rêves, ce n'est pas possible, je crois dur comme fer que je ne me souviens pas de mes rêves. Donc il y a un changement de croyance à faire. Ben, à partir de maintenant, je vais peut-être me souvenir de mes rêves. À partir de maintenant, je sais que je rêve, mais je vais me souvenir de plus en plus facilement de mes rêves. Donc il y a un switch à faire entre ce que vous croyez pour essayer d'apprivoiser et d'aller en direction d'un travail sur vos rêves. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est possible, qui est à expérimenter. Pour moi, là, tout ce que je vous dis, après, ben, je vous propose de faire vos propres expériences, de ne pas tout croire ce que je vous dis. C'est le fruit de mon expérience personnelle, mais après, libre à vous ben, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Mais surtout, si vous avez envie de mettre en pratique ou d'expérimenter, allez-y. Parce que le travail avec les rêves, c'est de la pratique. Génial, j'adore cet état d'esprit. Oui, parce que chacun vit en fait ses propres expériences. C'est important de faire ses propres expériences pour pouvoir réellement intégrer et en comprendre la profondeur. Oui. Et tu disais en fait, bon, par exemple, moi et mon copain, on se souvient très bien des rêves, donc c'est-à-dire on a la conscience de nos rêves. Il y a des Oui. personnes qui finalement se disent, je ne rêve pas, ou en tout cas ne se souviennent pas consciemment. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport au niveau de conscience, par rapport, je ne sais pas, et tu disais aussi, en fait, si on se souvient des rêves, c'est que l'inconscient, il a un message, Oui. mais est-ce que ça veut dire que les personnes qui ne se souviennent pas des rêves, c'est que l'inconscient n'a pas de message, ou que peut-être la personne inconsciemment n'a pas envie de recevoir le message? Ça m'a toujours intriguée, en fait, cette différence, de se souvenir ou pas se souvenir des rêves. Je dirais que les deux sont possibles, c'est-à-dire si la personne, déjà, si elle n'est pas ouverte au monde des rêves, je pense qu'il ne va rien se passer pour elle. Enfin, si elle part, je ne me souviens pas de mes rêves, je ne me souviens pas de mes rêves, c'est quand même une programmation mentale de dire je ne me souviens pas de mes rêves. Et pourquoi ne pas essayer? Tu vois, si cela t'intéresse, bien sûr. Si tu es intéressé à tester, essaye déjà de changer tes croyances et vois ce qui se passe en fait, parce qu'il peut se passer des choses. Pour le niveau de conscience, personnellement, en tout cas, moi, je me sens privilégiée d'avoir cet accès à mes rêves. Ensuite, ben, il y a toujours le fait de est-ce que je donne du sens à tout cela? Est-ce que je veux donner du sens à, tiens, je me souviens de mes rêves, est-ce que je veux donner du sens? Et est-ce que je veux continuer l'exploration? Parce que, par exemple, des personnes qui vont m'écouter ce soir peuvent ne pas être d'accord avec moi et penser, ah, mais non, mais moi, les rêves, ça ne m'intéresse pas, et puis j'ai pas envie de me souvenir de mes rêves. Je veux dire, tout est possible et tout est acceptable. Ok, très bien. Et du coup, je me posais la question, en fait, pour les personnes, par exemple, qui ne se souviennent pas de ses rêves, comment faire pour, par exemple, faire une séance d'interprétation des rêves? Est-ce que peut-être par l'hypnose, on arriverait à se souvenir? Ou peut-être par dans un certain état, par exemple, il y a des moments où je me dis, ah mince, je sais que j'ai rêvé, c'était assez clair ce matin, et puis je ne me souviens plus. Et le même soir, en fait, je reviens dans l'état, un petit peu
de sommeil, etc. Et donc, c'est comme si, en fait, j'accédais à un autre état, un autre étage. Et là, j'ai en fait la sensation du film que j'ai eu le matin même que j'ai oublié. Et je dis, ah oui, mais c'est ça, en fait, mon rêve. Et donc, là, je me dis, il y a peut-être certains moyens pour retrouver, en fait, ces rêves. Et puis, si on n'arrive vraiment pas, comment est-ce qu'on fait pour interpréter les rêves ou voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il y a beaucoup de questions. Ouais. Du coup, alors, la toute première, c'était par rapport à l'hypnose. Tu m'as dit, est-ce que oui, effectivement, on peut, par l'intermédiaire de l'hypnose, ben justement en se mettant dans un état de conscience modifié, aller se reconnecter à ses rêves. Mais là encore, je ne peux pas vous garantir de résultats. Parce que est-ce que l'inconscient et vous, ça va matcher entre les deux et qu'on va aller pêcher le rêve, ça fait partie ça fait partie de l'imprévisible. Ça peut être possible, comme ça peut ne pas marcher, d'aller à rechercher son rêve. Mais c'est sûr que l'état de conscience modifié, ça aide beaucoup. Et je dirais, comme je suis formée aussi en sophrologie, juste l'état de détente, aller se détendre. Si vous êtes adepte de la méditation, ben, peut-être avec aussi l'aide de la méditation. Alors, il existe les rêves éveillés dirigés. Donc, c'est justement de se mettre dans un état de conscience modifié pour aller. On peut retourner dans un rêve. Par exemple, si toi, Zhuang, tu te rappelles de ton rêve de ce matin et que tu dis, allez, je vais me faire une petite séance d'auto-hypnose ou de méditation, je vais aller me replonger dans mon rêve. C'est possible parce que l'état de conscience modifié, ben, va permettre un nouveau chemin pour réaccéder à ce rêve. Et après, on peut aller modifier. Par exemple, si le rêve s'est mal terminé, on peut dire, je vais aller en auto-hypnose ou en hypnose, aller changer le rêve. Tu vois, la fin du scénario, je peux aller la modifier. D'accord. Mais quand tu as modifié ce rêve en état un peu plus consciente, en fait, est-ce que ça veut dire que tu vas aller agir directement sur le message et donc ça rejoint sur cette notion de co-création, du rêve? Là, c'est de reprendre son pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas rester démuni face à un rêve qui nous laisse peut-être frustrés, impuissants ou même tristes ou angoissés. C'est toujours je me redonne des moyens pour reprendre mon pouvoir personnel et pouvoir, alors, j'aime pas trop le mot contrôle, de reprendre le contrôle sur la situation. Mais le contrôle, c'est pas un très joli mot. C'est plus se remettre en forme dans Oui, notre situation, oui, dans notre forme. oui. Ça me y a une métaphore en fait qui me vient. C'est un peu donc ouais, au départ avec le rêve, je ressens une certaine frustration et du coup le message de l'inconscient reflète finalement l'état de ce qu'on est à ce moment-là, au moment où on le rêve. Et donc c'est un peu du coup un parallèle où tout d'un coup j'ai pas très bien mangé donc je suis un peu faible. Et du coup le fait de faire ce rêve éveillé et qu'on va aller consciemment changer en fait le déroulement du rêve pour arriver finalement transformer de la frustration vers finalement victoire, fierté, satisfaction et joie. Eh bien, c'est comme si, en fait, je prends conscience, je ne suis pas très en forme, j'ai faim, donc je vais aller me nourrir, je vais aller manger ou faire du sport parce que c'est ce dont j'ai besoin. Donc là, je reprends le pouvoir par mes propres choix, par ma propre action pour finalement me remettre en forme et me sentir bien au final. Oui, Voilà, en fait, très intéressant. il y a toujours plusieurs possibilités ou vraiment plusieurs choix qui s'offrent à nous et vers lequel on est appelé.
Alors, comme tu disais, l'alimentation, ça va influer sur notre nuit, sur notre qualité de sommeil. Et la qualité de sommeil, après, agit sur notre qualité de vie. Donc, c'est important de soigner son alimentation. Et si, par exemple, là, on n'a pas suffisamment mangé ou mal mangé, ben, de se dire, ben, je vais veiller à prendre plus soin de moi pour ben, retrouver l'équilibre. Mais après, effectivement, on peut aller se replonger dans son rêve en mode auto-hypnose ou hypnose si vous allez voir un hypnothérapeute ou si vous aimez la méditation, ben, de profiter d'une méditation pour vous replonger dans le rêve et puis faire vraiment un autre déroulé, un autre scénario où vous pouvez aussi utiliser cela pour aller chercher des ressources. Par exemple, si vous voulez apaiser une tristesse, ben, allez-y pour aller rechercher du réconfort. Comment vous allez vous réconforter? Et toujours, comme tu disais, selon, c'était de vraiment de répondre à ses besoins. D'accord, donc j'en profite aussi pour rappeler que ce soir nous avons un tirage au sort. Donc le lien, je viens juste de vous envoyer sur le chat et puis c'est ce que vous voyez ici. Et donc le cadeau, ça sera une séance découverte avec Angélique Barbry sur l'interprétation des rêves. Donc merci déjà. Angélique, pour ta générosité. Et voilà, j'ai hâte de découvrir qui sera le gagnant, mais on ne le saura qu'à la fin du live. Du coup, oui, on revient en fait sur la question, justement. Effectivement, on avait dit que par l'hypnose, on pourrait revenir, voilà, se souvenir des rêves, voire même en fait faire des rêves éveillés. Oui. Consciemment pour modifier en fait nos rêves et du coup reprendre le pouvoir, notre forme finalement de notre vie puisque le rêve reflète le message de notre vie sur le moment, de notre état. Et du coup, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, bon, si on ne se souvient pas de ses rêves, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Alors, c'est toujours de partir. Est-ce que déjà vous avez envie de travailler sur vos rêves? Est-ce que c'est une envie? Si oui, de reprogrammer vos croyances sur je ne me souviens pas de mes rêves, de les changer de manière positive et de dire je vais me souvenir de mes rêves de plus en plus facilement ou j'essaye de me souvenir de mes rêves de plus en plus facilement. En fait, il faut une nouvelle croyance qui soit positive et aidante, qui va faciliter. C'est comme on utilise souvent le GPS. Quand vous donnez une destination au GPS, il vous emmène à l'endroit que vous désirez. Si là, pour les rêves, vous voulez aller découvrir, enfin vous souvenir pour découvrir l'interprétation des rêves, alors vous dites à votre GPS, donc à votre cerveau, hop, je me souviens de plus en plus de mes rêves. Je me souviens de plus en plus facilement de mes rêves. Donc, il faut lui donner comme une guidance, vraiment de programmer votre GPS intérieur en changeant vos croyances, parce que c'est très ancré de dire je ne me souviens pas de mes rêves, parce que vous l'avez expérimenté de ne pas vous souvenir de vos rêves. Mais si demain c'était possible, ça changerait. Mais si vous ne donnez pas l'occasion de le faire en disant je ne me souviens pas de mes rêves, mais si c'était possible. Donc Si à c'est en fait partir de demain, oui. c'est cette auto-hypnose justement de Oui. changement de croyance. Oui, je t'écoutais, vas-y. Vraiment de se suggérer cette possibilité que vous pouvez y arriver. D'accord. Et Alors, il moi par existe, exemple, oui, pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y. sinon la règle des 3P, donc pour construire votre nouvelle croyance ou votre nouvelle suggestion, la règle des 3P, donc vous utilisez le pronom je pour parler de vous, je, vous mettez un verbe d'action au présent, donc c'est le deuxième P pour présent, et
vous devez avoir une phrase qui soit positive. Donc, c'est facile à retenir. Les trois P, le pronom personnel je, le verbe d'action au présent et une phrase positive pour vous aider à reconstruire votre croyance par rapport à l'accès aux rêves, à la conscience des rêves. Donc, ça peut être j'ai conscience de mes rêves à partir de demain matin. Donc, c'est-à-dire que si on ne se souvient pas encore de ses rêves, ben là, du coup, j'imagine c'est compliqué d'aller dans l'interprétation de ses rêves. Il faut déjà Tout à passer fait. par sur cette reprogrammation de croyances. Oui. D'accord, ok. Il ne faut pas culpabiliser quand on ne se souvient pas de ses rêves. C'est juste que c'est pas un média qui matche avec nous. Mais peut-être que vous allez être dans une autre expression. Par exemple, ça va être de vous exprimer à travers le sport, de vous exprimer à travers le chant ou de vous exprimer par une autre activité. En fait, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à vous souvenir de vos rêves. Vous faites partie de ces types de rêveurs qui n'ont pas la conscience de leurs rêves, mais sachez que vous rêvez chaque nuit. Et puis, parfois, les rêves ne sont présents que lorsque l'on vit des situations où on a trop, par exemple, trop de stress intérieur, qu'on ne l'exprime pas, eh bien, le rêve va venir nous dire oh, il faut faire quelque chose là. Donc, peut-être que vous avez une bonne hygiène de vie et que vous n'avez pas besoin de faire des rêves la nuit et que votre équilibre psychologique, eh bien, vous y arrivez autrement, peut-être par le sport, peut-être par une activité artistique ou juste même parfois juste en extériorisant verbalement, en tchatchant, vous voyez, avec les amis, hop, on parle, on rigole et puis ça s'oublie et il n'y a pas finalement de matière à ce que vous rêviez. Il ne faut pas culpabiliser en fait de ne pas rêver. Ça fait partie des rêveurs, c'est comme ça. Après, si vous avez le désir, vous pouvez tenter des choses, de mettre en place ce que je vous disais, par exemple, de reprogrammer vos croyances à partir de demain. Les rêves vont venir vraiment de plus en plus facilement à ma conscience ou à ma mémoire. Parce que le matin, quand on se réveille, tout à l'heure, tu l'as dit, Zulu, mais en fait, le rêve peut s'évaporer et revenir dans la journée. Le matin, alors c'est pareil, est-ce que vous vous réveillez de manière naturelle? Est-ce que c'est votre réveil qui vient interrompre votre cycle de nuit? Ben, tout ça, ça peut être perturbant. Et est-ce que vous vous levez, vous êtes dans la précipitation et vous n'avez pas le temps de penser à votre rêve? Donc ça aussi, ça pourrait faire partie des choses à s'interroger. Est-ce que, par exemple, le week-end, je suis plus disponible et du coup, je vais pouvoir essayer de me souvenir les rêves le week-end parce que la semaine, c'est trop trop rapide, trop trop speed et j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Parce qu'il faut quand même un petit temps le matin pour garder en mémoire, pour connecter en fait avec les rêves qui nous sont livrés la nuit. Sinon, les rêves s'évaporent, ils nous échappent. Et bon, moi je prends mon exemple avec mon mari, je lui raconte mes rêves et parfois j'y repense dans la journée, mais il me manque un petit morceau de mon film. Alors je vais voir mon mari et je lui dis, oh, mais qu'est-ce que je t'ai raconté avec mon histoire? Et donc il m'aide à reconstituer la mémoire de mon rêve. Après, sinon, vous pouvez prendre un cahier, hein, comme moi, aller acheter un cahier spécialement pour noter vos rêves. Après, vous pouvez utiliser un enregistreur vocal pour conserver la trace de vos rêves ou le raconter à quelqu'un. Voilà, ça fait partie des choses à mettre en place pour recueillir ses rêves. D'accord, merci beaucoup. On a aussi le commentaire de Sophie où on se rappelle de son rêve au réveil et on l'oublie très vite. Donc, c'est ce que tu disais également.
Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à se connecter au tirage au sort de ce soir. Je viens de retester le tirage marche. Donc voilà, s'il y a une autre personne qui arrive à accéder au tirage ou pas, ben voilà, faites-moi signe. Mais en tout cas, voilà. Alors, par contre, il ne faut pas appuyer sur le lien. Enfin, appuyer sur le lien sur l'écran parce que ce n'est pas un lien activable. Mais en tout cas, le lien que je vous envoie normalement sur le chat marche. Voilà. J'espère que si j'ai une autre personne qui arrive à faire marcher, bah, merci de me le dire. Alors, juste alors, par rapport au commentaire de Sophie, donc effectivement, au réveil, oui, le rêve peut nous échapper très vite. C'est pourquoi c'est bien d'avoir son matériel. Donc, soit vous avez votre journal des rêves juste à côté sur votre table de nuit, ou alors votre téléphone qui peut servir de dictaphone. En fait, il existe des applications où vous allez sur le Play Store, vous tapez dictaphone et vous pouvez enregistrer verbalement votre rêve pour le sauvegarder en tout cas de manière vocale et puis aller le retravailler un peu plus tard quand vous êtes dispo, parce que parfois on n'a pas le temps tout de suite. Ou alors de le raconter à quelqu'un qui vous aidera aussi, comme mon mari, à reconstituer le rêve, parce que bon, moi j'ai des longs rêves. Avec vraiment des histoires, des scénarios, et parfois j'oublie des passages. Bah, justement, pour moi, parfois c'est très compliqué de raconter un rêve. C'est-à-dire que Oui. je le vis, je vois les scènes, je vis les émotions, etc. Mais pour raconter, c'est très dur. Ça a un sens que je comprends, je ressens dans mon corps. Mais par exemple, je ne sais pas, imaginons que je fais un lancer de pierre. Et en fait, symboliquement, pour moi, en fait, voilà, j'étais en train de m'entraîner sur la conscience de soi. Voilà. Mais que dans le reste, moi, ce que je vois, c'est je suis en train de lancer une pierre, par exemple. Je dis n'importe quoi. Hein. Et du coup, donc parfois, pour raconter, c'est compliqué parce que c'est saccadé, j'arrive à le vivre, mais je n'ai pas réellement les mots pour expliquer mon rêve. Parfois, c'est très clair, mais parfois, ce n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas, est-ce que toi tu as des conseils ou tu as une interprétation par rapport à ça? Alors, pour moi, l'explication, en fait, quand on a des rêves saccadés aussi, c'est justement, on peut les relier aux différents cycles de sommeil que nous avons. Comme nous faisons différents rêves à travers ces cycles, et nous, quand on va dire, on fait la mémoire de ce qui s'est passé dans la nuit, on a des choses qui sont saccadées, décousues et qui manquent de sens, et c'est compliqué de raconter une histoire. De raconter un scénario. Donc, pour moi, je l'expliquerai de cette manière. Et après, Du oui? fait qu'il y a plusieurs cycles, c'est ça, que du Ouais. coup c'est saccadé, d'accord? Je pense que tu peux, par exemple, avoir la conscience, par exemple, de ton rêve numéro 1 et tu te rappelles d'une scène. Après, tu vas avoir la conscience de ton rêve numéro 2, mais qui n'aura pas de lien avec la première. Du coup, c'est pour ça aussi que parfois on a du mal à comprendre le sens en fait entre ces différentes les différentes scènes ou les différents scénarios parce que ça n'a pas de sens l'un avec l'autre, mais ça fait partie de rêves différents. D'accord, ok. Et moi, du coup, au bout d'un moment, enfin, il y a des moments où personnellement, je dis, bon, ok, j'arrête en fait d'aller vouloir expliquer. Mais par contre, ce que je vais retenir, c'est le sens. C'est au final, si je raconte les faits, ça n'a pas de sens dans le terme humain. Mais si je redis, ben, dans ma sensation, en fait, c'est comme si mon rêve me disait si ça, ou j'étais en train de m'entraîner sur l'intuition. Alors, c'était un entraînement intensif sur l'intuition, par exemple, sur l'apprentissage, sur des choses comme ça, mais qui est symbolisé par des événements, monter l'escalator, je ne sais pas trop quoi. Voilà, donc, c'est ce que personnellement je fais de temps en temps si je n'arrive pas à mettre du sens sur l'action visible.
que je me souviendrai. Et en fait, tu fais très bien parce que il faut pas tout le temps non plus être dans la rationalisation, dans le mental, mais vraiment faire comme tu fais et de faire confiance à ton intuition qui te dit, ah, mais là, j'étais en train de travailler ça. Donc moi, c'est ce que je conseille aussi, c'est qu'est-ce qui vient en premier quand on veut travailler sur son rêve? Qu'est-ce qui fait tilt tout de suite? Qu'est-ce qui vient en premier? Ça sert à rien d'aller chercher des histoires, enfin essayer de relier, de, enfin tu vois, de se compliquer la vie. Il faut faire confiance à son intuition et la première impression pour moi, c'est ce qu'il faut prendre en premier. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient sans réfléchir, sans faire fonctionner notre mental? Qu'est-ce qui est présent? Parce que c'est là où tu es vraiment connecté, vraiment à toi-même. Et c'est ce qui, enfin là, dans ce que tu me décris, c'est ce qui fait sens. Tu vois, tout de suite, ça a fait sens pour toi de te dire, ah mais j'ai pas compris l'histoire ou le scénario, mais en tout cas, je sais que ça a travaillé ça. Et en fait, c'est bien parce que tu t'es vraiment connecté à ton intuition, ton impression première. D'accord. Merci pour cette réponse. Alors, il y a des personnes qui ont commenté, qui ont posé des questions. Marine, merci pour ta question. Quelle est la fonction des rêves récurrents? S'arrête-t-il quand on a compris le message? Alors bonsoir Marine, je la connais Marine. merci d'être venue. Alors la fonction des rêves récurrents, on les appelle aussi les rêves répétitifs. Et pour moi, oui, ils s'arrêtent quand on a compris le message. Le temps qu'il se répète, c'est toujours le messager, comme je vous prenais l'exemple tout à l'heure, qui vient toquer à la porte. Ben, le messager. Si vous n'avez pas entendu ou compris le message, ben lui, il va insister. Il va revenir et il va retoquer à la porte pour vous dire, Eh oh, j'ai quelque chose à te dire, j'ai un message pour toi. Parfois, on est prêt à l'entendre, parfois, on n'est pas prêt, ce n'est pas encore le bon moment. Donc, le rêve vient et se répète. Et ça me fait penser en fait justement à un ami qui me racontait, il avait souvent un rêve récurrent, c'est il y a une araignée qui vient, qui tombe comme ça, et puis après, bah, il se réveille. Enfin, c'est de ce que j'en souviens. Et en fait, il y a des moments où ça peut revenir plusieurs fois en semaine, durant une semaine, ou parfois en fait ça revient au fil des mois. Et est-ce que du coup, alors je ne sais pas, quand on a ce rêve-là, qu'on se souvient très très bien, là dans ce cas concret, est-ce qu'il fallait aller dans l'interprétation du symbole de l'araignée ou est-ce que c'est plus l'émotion? C'est comment toi tu ferais en fait pour aider à interpréter le rêve? Alors, l'interprétation symbolique, pour moi, c'est une chose. Donc, on peut aller chercher dans le dictionnaire des symboles ou chercher dans le dictionnaire des rêves, qu'est-ce que veut dire une araignée. Moi, dans ma méthode, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous une araignée et surtout, toujours, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement et à quoi on peut relier ce rêve par rapport à votre vie. Donc, c'est vraiment par rapport à la symbolique propre à chacun au final. Pour moi, oui, les rêves sont une projection. Quand on rêve, je vous ai dit tout à l'heure, enfin, il y a une projection d'un film avec un scénario peut-être, parfois il n'y a pas de scénario, peut-être juste des images, des personnages, de l'action. Alors il y a des événements, enfin il y a tout un tas de composants qui sont dans le rêve. Mais qu'est-ce que ce rêve vient nous dire et qu'est-ce qu'il fait écho à ce qui se passe dans ma vie actuellement? C'est vraiment hyper important pour moi de relier à ce qui se passe dans la vie actuelle. Est-ce que actuellement, je réponds à mes besoins. Est-ce qu'il y a des besoins que je ne satisfais pas? Qu'est-ce qui me frustre actuellement?
Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui m'énerve? Parce que dans la vie, alors je parle la vie du jour, on est beaucoup sous contrôle. On a des rôles à répondre. On va aller dans la vie professionnelle, on va aller dans notre vie familiale, amoureuse, avec nos enfants. Donc on a tout un tas de rôles où on attend des choses de nous. Et puis, on se contraint, on se plie, on fait des efforts. Et du coup, on peut ne pas suffisamment penser à soi et à ses propres besoins, à ses désirs, à ses souhaits. Par exemple, parfois, on n'ose pas dire non. Eh bien, peut-être que dans mon rêve, il va se passer quelque chose avec le fait que, ben non, je n'ai pas su dire non, je ne me suis pas écoutée, je ne me suis pas respectée. Et le rêve va venir dire, il faudrait peut-être faire quelque chose. D'accord. Très intéressant. Merci. Du coup, il y a Sophie qui dit, des fois des rêves ou cauchemars où je tombe dans le néant, tout noir, et réveille en sursaut avec palpitations. Oui, alors ça arrive. Ça m'arrive aussi. C'est. Quand on est entre l'éveil, on n'est pas encore tout à fait endormi et on est encore un peu conscient. On est dans l'entre-deux et en fait, quand on tombe dans ce trou, c'est aussi le corps qui, d'un seul coup, il se relâche. Mais on est dans un entre-deux. Il y a une sensation corporelle. Et dans le rêve, effectivement, on tombe, on a cette sensation de tomber. Enfin, pour moi, c'est relié en fait à une sensation qui se vit dans le corps, parce que notre corps, il est en train de se préparer à s'endormir, à dormir. Et voilà, on projette mentalement, tiens, je suis en train de tomber. En fait, c'est tout le relâchement du corps qui peut enfin aller se reposer de sa journée fatiguée. Et effectivement, on peut se réveiller en sursaut. Ça, c'est à relier vraiment avec les cycles. Quand on change de cycle, on peut se réveiller en sursaut avec les palpitations. Là, ça peut être aussi avec ce que l'on fait dans nos rêves. Parce que même si notre corps, il est immobile, il est au repos, lui, il est en train de faire le repos, là. Eh bien, notre cerveau, lui, continue son activité cérébrale. Il se passe plein de choses dans le cerveau. On est en train de trier les informations de la journée. On est en train de mémoriser ce que l'on va garder dans la mémoire à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, il se passe plein de choses dans le cerveau. Et quand on est en train de rêver, le cerveau, lui, il vit son action, il vit les images et tout ça. C'est pour ça que vous avez des sensations parfois au réveil. Vous avez l'impression d'avoir vécu une autre histoire, une autre vie pendant que vous étiez en train de dormir. Ben, c'est assez bluffant. Tout ce qui se passe juste par rapport à l'imagerie mentale, il se passe, voilà, un film, mais on a l'impression de le sentir. Par exemple, si on vit un cauchemar, il se peut qu'effectivement on se réveille en sursaut, que le cœur bat vite, on a eu peur dans le rêve. Vous voyez, les deux, en fait, corps et esprit sont toujours liés, même en rêvant, même en dormant, même en se réveillant. Il y a toujours une interaction entre les deux. Et là, le fait de tomber, en tout cas dans le néant, dans le noir, c'est quelque chose de très fréquent. Et de se réveiller en sursaut avec des palpitations, ben ça arrive. Voilà, quand on a fait un rêve et qu'il y a eu de l'activité, en fait, on se réveille vraiment avec ces sensations, avec les émotions, parce que ça nous imprègne comme si c'était réel. Mais c'était un rêve. Et je pense que le corps, il vit aussi, enfin, au final, même si c'est dans la tête, entre guillemets, qu'on le vit, qu'on le voit comme un film, mais en fait, on engage aussi, je pense, hein, même peut-être comment dire, l'image des neurones, des muscles, en fait. Imaginons que si je rêve, que je nage ou je cours,
Est-ce que c'est si on fait l'imagerie cérébrale, c'est comme si j'activais aussi ces réseaux de neurones, même si mon corps ne bouge pas ou pas? Alors, il me semble que oui. Je ne suis pas trop spécialisée dans les trucs scientifiques, mais il me semble que oui. Après, je vais juste prendre l'exemple de ma petite chienne. Parce que, non, parce que les animaux font des rêves aussi. Et ma petite chienne, elle fait du bruit parfois quand elle rêve. Donc, on l'entend, donc on la regarde parce qu'elle attire notre attention, elle est en train de gémir. Et en fait, quand je sais qu'elle rêve, qu'elle court parce qu'elle ferme ses pattes. Je la vois. Donc, elle est là en train de. Et en même temps, elle fait son bruit, elle est en train de. Comment on dit? Elle queen, quoi. Mais elle dort et elle est en train de rêver que. Je pense qu'elle est en train de rêver qu'elle est dans le jardin en train de courir après le chat. Donc, pour moi, oui, il se passe. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe en fait entre ce qui est dans le cerveau en train de projeter le film du rêve et puis. Et puis le corps, et puis de toute façon, enfin, chacun l'a expérimenté de vraiment ressentir des sensations au réveil, par exemple, après un cauchemar, la sensation de malaise, elle est là. Malheureusement, la sensation de malaise, elle est là, et on peut vraiment sentir des émotions. Par exemple, si dans un rêve, on rêve d'une personne, voilà, qu'on voit quelqu'un mourir, on peut être très triste, vraiment l'âme en peine, quand on se réveille, parce que. Le rêve, il nous imprègne vraiment de ses émotions, de ses sensations. Et on a Sophie, donc du coup, qui a continué à, pendant que tu expliquais tout à l'heure, à dire oui, tout à fait. On fait le rêve qu'on est, ou faire le rêve qu'on est fatigué. Et dit aussi lorsqu'en vrai, on est super fatigué, comme signal qu'on doit se reposer. Oui, c'est ce que je vous disais que. Tout à l'heure, dans la fonction du rêve, le rêve, pour moi, vient vraiment nous donner de la matière à réflexion pour s'interroger sur ce que l'on fait dans sa vie. Et là, oui, quand on est super fatigué, effectivement, on doit se reposer. C'est important. Et des fois, on fait des rêves de compensation. Par exemple, si. On est très stressé au travail, que ça ne va pas et qu'on aurait besoin de vacances, mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent. On va rêver ben justement que le rêve vient compenser la situation réelle en nous faisant imaginer dans le rêve que nous sommes partis en vacances et parfois on peut se reposer grâce au rêve en dormant. Nous avons d'autres questions également de Christelle. Lorsque nous sommes mis dans un coma provoqué, les cauchemars faits pendant cette période sont-ils comparables à un cauchemar lorsque l'on dort la nuit? Alors, lorsque nous sommes mis dans un coma provoqué, alors j'ai mon mari qui a eu un grave accident et qui a été en réa et qui a été dans le coma. Et effectivement, il m'a parlé de ces images vraiment horribles, de ces cauchemars vraiment horribles. Pour moi, non, c'est pas comparable aux cauchemars on va dire, les cauchemars habituels ou classiques, parce que dans le coma provoqué, en fait, vous êtes avec des substances dans le corps qui c'est une chimie qui vient et qui, on va dire, qui perturbe le corps et au niveau du cerveau, ben forcément, c'est impacté. Et moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, que dans le coma provoqué, en fait, les cauchemars, ben, déjà été provoqués et, on va dire, un peu démultipliés. Et je l'expliquerai par les substances chimiques, en fait. Ça pourrait être, pardon, ça pourrait être un message du corps qui dit, bah, substance chimique, danger, danger, ou ça me fait Ben, vivre des disons que là, cauchemars corporels. c'est vraiment particulier. Après, bon, j'ai pris l'exemple de mon mari parce qu'il l'a vécu. Je ne connais pas d'autres personnes dans mon entourage qui a vécu l'expérience d'un coma provoqué.
Mais je sais que c'était vraiment très difficile de voir toutes ces images. Enfin, il m'avait décrit, c'était vraiment très difficile. Et je dirais pas d'aller analyser ces images. Je ne sais pas s'il y aurait une interprétation, parce que là, on est dans une production de rêve, de cauchemar, qui est vraiment subie, parce qu'il y a un coma, il y a le corps qui est vraiment entre un stade, entre la vie et la mort. C'est vraiment pour moi quelque chose de particulier. J'irais plus, vous voyez, faire un travail sur, pas sur l'analyse, je ne sais pas si ça peut être exploitable, puisque c'est quelque chose qui a été fabriqué, produit, et je ne sais pas si ça peut amener quelque chose, parce que on va dire que c'est artificiel, parce que il y a ces substances chimiques, et du coup, le cauchemar, si vous voulez, là, il n'est pas fait de manière spontanée par l'inconscient. Il est vraiment induit à cause des substances chimiques dans le corps. Alors que les cauchemars habituels que l'on peut faire dans la vie courante, bien sûr, elles sont toujours à relier pour moi au vécu de ce que vous vivez actuellement. Mais à la différence, c'est que le cauchemar, on va dire classique, il est là. C'est l'inconscient qui le fait de manière spontanée. Vous avez la conscience ou la mémoire de votre cauchemar, vous allez prendre note du message, vous allez interpréter, et c'est vraiment très bien, mais là vous avez vraiment de la matière qui est venue spontanément. C'est pas quelque chose avec le coma, on va dire, qui est artificiel, je sais pas. Je pense pas que ça serait vraiment. C'est vraiment quelque chose de particulier là, dans le coma provoqué avec les substances. Et je ne sais pas si, je sais pas si on peut faire quelque chose avec ça, parce que c'est vraiment. Vous voyez, c'est le processus du cauchemar. Là, il est comme forcé. C'est C'est pas pas naturel. naturel, c'est pas spontané. Et je me dis. Je sais, Sophie qui dit que c'est induit par les médicaments. Oui. Et Christelle qui dit, je vous remercie pour votre réponse. Avec Alors, plaisir. il me semble, Christelle, c'est toi qui n'arrives pas en fait à aller sur le questionnaire. Moi, je ne sais pas si finalement tu as réussi ou tu as réessayé. Simplement le fait de taper juste sur la barre internet bit.ly/rêve, mais rêve du coup avec un accent. Là, je remets ici. Voilà, rêve, donc E accent circonflexe normalement, avec 2610. Voilà, normalement, ça marche. Moi, j'ai fait juste copier-coller en fait du lien. Et ça marche toujours. Et d'autres personnes disent que ça marche. Donc, ouais, j'espère que tu vas pouvoir participer au tirage au sort. Donc, on continue. On a d'autres questions également. De Antoine. Merci Antoine et ravi de te revoir aussi sur la chaîne. Alors, Antoine qui pose la question, est-il préférable de laisser notre inconscient s'exprimer ou peut-on souhaiter les rêves lucides, comment les favoriser? Alors, je ne suis pas spécialiste du tout des rêves lucides. En fait, c'est quelque chose que je n'ai pas souhaité expérimenter. Je vais vous expliquer pourquoi. Je peux tout à fait vous donner mes raisons. Pour moi, le travail que j'ai fait avec mes rêves, c'est vraiment quelque chose qui est spontané de mon inconscient, c'est-à-dire, mon inconscient, il a quelque chose à me délivrer, il a son message, et en fait, je le laisse venir à moi de manière spontanée. Alors que dans les rêves lucides, en fait, là, c'est d'aller dans son rêve pour prendre le contrôle de son rêve. Et
Personnellement, hein, c'est vraiment personnel, c'est quelque chose à ce jour qui ne m'intéresse pas. Alors peut-être un jour je changerai d'avis, mais pour le moment je ne m'y intéresse pas. Je me dis que dans notre vie éveillée, dans la journée, on est déjà suffisamment sous plein de contrôle et je ne me vois pas aller dans mes rêves pour aller contrôler mes rêves. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je préfère vraiment laisser mon corps se reposer. Aussi mon mental, mon cerveau, tout ça. Vraiment permettre un repos total sans vouloir prendre le contrôle dans un rêve lucide. À ce jour, je ne suis pas intéressée, alors je ne vais pas pouvoir vous aider par rapport à favoriser les rêves lucides parce que je n'ai pas expérimenté et je ne suis pas intéressée. Du coup, je ne sais pas, je peux pas vous aider là. Ok, bon, en tout cas, merci pour déjà la réponse que tu apportes. Alors, donc, on a également, alors, j'ai vu qu'il y a certains commentaires hein, de Christelle en reparlant justement sur l'histoire du coma forcé, donc cauchemar forcé par les médicaments, mais ça ne le fait apparemment pas pour tout le monde. Voilà. Marine qui pose la question. Juste avant, par rapport à Christelle, je voulais juste savoir, en fait, elle travaille peut-être dans un service où elle est entourée de personnes, enfin, elle a eu plusieurs personnes qui ont vécu les comas forcés et j'aimerais bien qu'elle me réponde si elle veut en dire plus. Ok, super Antoine, je vois qu'il est d'accord avec mon point de vue. Oui, moi, je suis vraiment pour... laisser mon inconscient, mon corps au repos et mon inconscient vraiment faire le travail qu'il doit faire sans que j'intervienne, vraiment le laisser s'exprimer. Tout simplement, en fait, je lui laisse la liberté d'être et d'exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer et moi d'accueillir ce qu'il a à me communiquer. De toute façon, il y aura aussi des moments après en méditation pour aller faire le rêve éveillé et remodifier ce qu'on a besoin enfin, de reprendre le pouvoir de ce qu'on n'avait pas su faire durant le rêve de manière inconsciente. Donc, du coup, il y a Marine qui pose la question. On dit que les défunts peuvent communiquer avec nous via les rêves. Qu'en penses-tu? Alors, Marine, il existe effectivement une catégorie de rêve qui permet de communiquer avec les défunts, mais tout dépend des croyances de chacun. Si toi, tu as la croyance que tu vas pouvoir communiquer avec les défunts, et bien peut-être que tu peux te lancer dans des explorations ou des pratiques pour tester. Et essayer de tenter une communication. Moi, je n'en ai pas fait l'expérience parce que, je ne suis pas intéressée pour prendre le contrôle, en fait, de mes rêves et de tenter de communiquer avec des défunts. Du coup, je n'ai pas expérimenté non plus. Mais si cela t'intéresse, moi, je te dis, lance-toi dans des expérimentations. Écoute, voilà ton intuition. Si tu as vraiment envie de faire, fais-le, pratique et reviens nous dire des résultats. Ok, merci. Alors, il y a. Donc, j'ai vu qu'il y a un commentaire. J'essaie de voir. Est-ce qu'il y a une réponse par rapport à ça? Donc, j'ai vu que. Sophie qui dit, je pense que oui, ils viennent pour dire qu'ils vont bien, qu'ils ne sont plus malades. Enfin, pour moi, juste un message, pas de communication. Alors, sur les défunts, je vous recommande, c'est un film brésilien qui s'appelle No Solar, qui est vraiment, vraiment super. C'est vraiment un très, très beau film que j'ai adoré. Et il y avait un dessin animé. Un dessin animé aussi sur la mort.
que j'avais beaucoup aimé. Je sais Est-ce que plus. c'est pas Saul? Non. Non. Je vais regarder si je le retrouve là. Il y a Sophie qui dit, j'en ai entendu parler, mais pas vu. Ah, c'est Coco. Ah Allez, oui, Coco, ouais. Coco, il est génial ce dessin animé, c'est magnifique. Vraiment, c'est vraiment un dessin animé que j'ai adoré, avec beaucoup, beaucoup d'émotions et justement qui parle des mondes des vivants et des défunts. Et c'est comme le film Nos Solars, si vous voulez. Vraiment, ça, c'est deux références. Tu voulais dire quelque chose d'autre par rapport à la question initiale de Sophie? Attends. Redis-moi la question. Alors, je pense que j'avais montré ça. Un message, pas de communication, et tu parlais justement des. Parler des défunts et tu as parlé justement des dessins animés. Oui, c'était pour. Ben, si vraiment vous voulez découvrir en fait cet autre monde avec les défunts, pour moi les références, voilà, je vous donne deux références et je vous invite vraiment à aller regarder. Ben, c'était vraiment un très très beau film et un très très beau dessin animé où j'ai eu beaucoup beaucoup d'émotions et c'est de s'imaginer en fait le monde où sont partis nos défunts. Moi, j'ai un papa qui est mort quand j'avais 18 ans. J'ai perdu mes grands-parents. Enfin, j'ai perdu beaucoup de monde dans ma famille. Donc, j'ai cherché aussi des réponses en fait. Sur la mort, enfin, c'est quelque chose qui nous questionne tous parce que un jour ou l'autre, on est confronté à ces questions et comment établir voilà, une communication parce qu'en fait, ces personnes nous manquent et elles ne sont plus présentes et on aimerait encore qu'elles soient là. Mais l'amour que vous avez avec ces personnes, lui existera toujours. C'est une connexion de cœur à cœur ou d'âme à âme. Dans âme, il y a, enfin, dans amour, il y a âme. Donc, vous pouvez, voilà, vous n'avez pas besoin d'un rêve, en fait, si vous voulez envoyer des messages à vos défunts. C'est vraiment de vous connecter depuis l'espace de votre cœur et d'adresser en pensée. Mais des beaux messages d'amour à ces personnes, à ces êtres chers. Il n'y a pas besoin de rêve en fait. Pas besoin, enfin, si vous voulez explorer, vous pouvez. Faites vos expérimentations. Ça, je vous encouragerai toujours en fait à aller pratiquer, à expérimenter. Moi, c'est comme ça en fait. Vous voyez mon parcours avec les rêves. Ça fait 2 ans, voilà, bientôt 2 ans que je travaille avec mes rêves et c'est en pratiquant qu'on découvre, qu'on explore, qu'on s'enrichit. Donc, si vous voulez faire de la communication avec les défunts, allez-y, écoutez ce qui vous fait envie ou ce qui vous fait vibrer. Mais après, de mon point de vue, vous avez juste à vous connecter en pensée et depuis l'espace de votre cœur pour vraiment communiquer avec ces êtres chers qui vous manquent. Merci. Et il y a Sophie qui termine. Pour moi, ils apparaissent dans nos rêves pour nous rassurer et ce sont des rêves dont on se rappelle. Alors, comme Sophie, moi, je pense que nos rêves, c'est
c'est comme un cadeau qui est là pour nous. Alors parfois, c'est un cadeau mal emballé parce que soit on ne comprend pas le sens, soit on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai rêvé, c'était un cauchemar. En fait, on n'a pas envie de vivre des scènes difficiles, douloureuses, mais il faut regarder ça sous un autre angle, sous un autre point de vue et se dire, ok, j'ai eu un mauvais rêve, mon messager m'a apporté un message douloureux, ok, c'est douloureux, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce qui est douloureux pour moi? C'est toujours un questionnement. Qu'est-ce qui me fait souffrir? Qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce qui est pas facile dans mon rêve? De vous interroger en fait, pourquoi je suis mal à l'aise? Pourquoi ça me rend triste? Qu'est-ce qu'il y a en fait à débloquer? Mettre de la lumière et un éclaircissement sur ce qui vous paraît sombre ou obscur et douloureux. Vraiment de voir, même dans toute situation, même dans un rêve négatif, en fait, il y a toujours une face positive. Depuis quel point de vue vous voulez regarder votre rêve? Est-ce que vous voulez rester vraiment comme victime de votre rêve? Ou alors est-ce que vous voulez reprendre votre pouvoir créateur et de dire ok, j'ai eu ce rêve, il est difficile, c'est douloureux, je suis triste, mais je vais en faire quelque chose, je vais aller regarder pourquoi je suis triste, pourquoi ça me fait mal. Est-ce que par exemple j'ai rêvé d'un conflit, mais comment je pourrais faire pour améliorer ma relation avec l'autre? Qu'est-ce qui pourrait être positif? Donc de vraiment de venir faire un travail qui est libérateur. Votre rêve vous amène des choses. C'est le messager. Il vous amène des choses. Et qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous dites non, je ne veux pas regarder? Ou alors, est-ce que vous dites ok, bon, c'est pas très beau, c'est pas très rigolo, mais je vais m'occuper de ce paquet-là. Je vais faire quelque chose avec. Et vous allez voir, en fait, c'est très, très libérateur. Merci pour ces explications très détaillées, pour ton étincelle. Il y a Christelle qui a commenté ben, par rapport à la question ta question tout à l'heure sur le coma. Ben, non, c'est moi qui l'ai vécu il y a plusieurs années et je me suis renseignée auprès d'autres personnes par la suite. Donc, a Ok, priori, donc. des personnes qui ont été dans le coma forcé mais qui n'ont pas eu de cauchemar, a priori. Ça, c'est comme ça que j'ai Alors compris mon père. après, il faudrait remettre, en fait, par rapport aux personnes que vous avez entendues sur le coma forcé, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Par exemple, ben, c'était quoi l'accident et le coma? Est-ce que c'est difficilement comparable parce que peut-être que vous vous êtes resté autant de temps dans un coma forcé, peut-être que l'autre est resté moins longtemps ou peut-être qu'il a reçu moins de produits chimiques. Il y a plein de variables et c'est vrai que du coup, encore une fois, tout est possible. Il y a des personnes qui vont être dans un coma forcé et qui vont faire beaucoup de cauchemars, comme vous ou comme mon mari. Et des personnes bah, qui auront eu aussi un coma forcé, mais qui vont moins être impactées. Mais ça s'explique de plusieurs variables par rapport à la durée du coma ou alors la quantité de produits et à quelle fréquence on a mis ces produits. Plein de choses en fait à prendre en compte, mais je vois que par rapport à votre réponse, en fait, tout est possible. Tout est possible. Alors, bon, ça fait déjà 1h26 qu'on est en live. Alors, j'ai encore dans le questionnaire trois autres questions, il me semble. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on prenne encore, enfin, qu'on dépasse un quart d'heure par rapport à ce qui a été prévu à 45? Attends, je vais là. Oui. À 20, enfin, 45. À 22h15, par exemple, qu'on terminera le live.
un peu plus Oui. tard. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ton temps et ta générosité. Parce que là, du coup, Avec il y a plaisir. pas mal de questions. Alors, donc, eh bien, voilà, il y a Alexandra Berardo qui pose la question suivante. Donc, j'ai pris le live en cours, donc peut-être que la question a déjà été abordée. Est-ce que tous les rêves ont forcément un message à nous transmettre? Du coup, moi, je te laisse répondre. Ok. Alors, est-ce que tous les rêves ont un message? On commence déjà. Est-ce que vous attachez de l'importance aux rêves? Parce que peut-être qu'une autre personne, en fait, elle ne va pas s'intéresser aux rêves. Donc, elle ne verra aucun message parce que ça l'intéresse pas, les rêves ne l'intéressent pas et les messages ne l'intéressent pas. Donc, déjà, y a ça. Est-ce que vous êtes sensible? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes réceptive? Et est-ce qu'il y a un message à nous transmettre? Il y a des rêves. Je dirais que j'ai des rêves très dans mon carnet de rêves où il se passe pas grand-chose en fait. Je me vois par exemple en train de marcher dans la ville ou une fois en train de prendre un bus et en fait non, il n'y a pas de message en fait. C'est des fragments de rêve que j'ai eus, mais il n'y a pas vraiment de matière en fait parce qu'il n'y a pas eu d'action dans le rêve, il n'y a pas eu quelque chose d'impactant. Donc quand vous avez un message à recevoir, forcément c'est parce que ça va venir vous impacter. Le rêve, quand il a un message, c'est que il ne vous laisse pas indifférente. Vous vous dites, oh là là, j'ai rêvé ça, oh là là, il y avait telle chose dans mon rêve ou telle chose. Et du coup, ça vient titiller votre curiosité, amener des interrogations. Alors que c'est vrai qu'il y a des rêves qui sont sans message, qui vous laissent indifférent. Et là, quand il se passe rien, bon, j'ai rêvé que je prenais le bus, il se passe rien, j'ai pris le bus, voilà. C'est juste une image d'une action quotidienne ou d'une action du passé, mais il y a rien dans ce rêve, il y a rien à analyser et pas de message spécialement. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une sorte d'interprétation de la symbolique, je ne sais pas, la symbolique du bus ou de prendre le bus? Je vois qu'il y a aussi des livres sur l'interprétation des rêves avec des symboles, etc. à voir. Bon, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Alors effectivement, il y a des analyses symboliques, mais moi, ce n'est pas celle-ci que j'ai choisie. C'est vraiment une analyse que je dirais plus de développement personnel pour m'aider à évoluer, à avancer. Mais on peut toujours trouver un sens à tout. On peut aller chercher dans un dictionnaire des symboles, par exemple de Monsieur Chevalier, je crois. C'est un dictionnaire des symboles très très populaire. Bon, je l'ai eu, mais voilà, je ne l'ai pas gardé. En fait, tout dépend de est-ce que ça me parle ou est-ce que voilà, ça ne me parle pas. Est-ce que j'ai envie de me diriger vers l'analyse symbolique ou je ne veux pas partir dans l'analyse symbolique. Est-ce que je veux faire de l'interprétation de rêve avec un psychanalyste et là, du coup, vous allez faire un travail psychanalytique sur vos rêves? En fait, il existe plusieurs analyses possibles. Et si on veut, on peut aller chercher dans les symboles, on peut aller chercher dans le dictionnaire des rêves. Alors, dans le dictionnaire des rêves, j'en ai chez moi. Et le problème de dictionnaire des rêves, c'est que ça reste généraliste. Et ça ne va pas venir prendre en compte votre personne et tout ce qui vous constitue. Pardon. Donc, vous êtes une personne avec votre passé, vous êtes né dans un certain pays, vous habitez une certaine ville,
Vous avez une culture, une religion, et il vous arrive des événements chaque jour. Et ça, un dictionnaire de rêve, bah, vous allez aller lire une interprétation. Et moi, souvent, ça me laisse confuse. Et bon, des fois, ça me donne des pistes. Mais ça ne prend pas en compte votre personne. Et c'est intéressant d'y aller. Je l'ai fait aussi. Mais après, il manque la personne la plus importante de l'histoire du rêve, c'est vous. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi dans l'interprétation, l'analyse des rêves, c'est de travailler sur soi-même. Le sens que vous allez donner à votre rêve, c'est vous qui allez le donner. Peut-être que vous allez le trouver dans une analyse symbolique. On allait chercher le symbole du bus ou le symbole de l'araignée, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et tant mieux si vous trouvez du sens et que ça vous apporte, que ça vous nourrit. Eh bien, on va dire la mission est accomplie. Après, personnellement, moi, je suis restée quand même frustrée par rapport à ces livres. Du coup, j'ai cherché autrement, autre chose, et je préfère venir faire un travail d'intériorité intérieure par rapport à moi, à mon histoire, à mes expériences de vie. Ça, tout ça, vous n'allez pas le trouver dans un dictionnaire ou dans les symboles. Par exemple, Jung, lui, il a intégré les archétypes, les mythes, les contes, les légendes, les paraboles, je sais même plus, mais c'est tellement riche et tellement vaste, mais à la fois passionnant. C'est tellement vaste. Son travail est juste magnifique. Et vous allez pouvoir trouver du sens. Vous allez pouvoir ben, vous passionner pour tous ces domaines et ces interprétations. Et il faut toujours que ça vous parle. Si vous voulez aller découvrir de l'analyse symbolique, allez-y. Si vous voulez aller découvrir Jung ou l'interprétation de Freud, allez-y. Faites et pratiquez comme vous êtes inspiré ou vraiment que ça vous donne envie d'aller explorer de ce côté-là. Pour moi, c'est la méthode vraiment du questionnement et de remettre du sens par rapport à ce qui se passe dans ma vie actuellement. Ça, c'est vraiment, on va dire, le pilier. Quel est le vécu actuel? Et vraiment devenir apporter le sens ouais, par rapport à sa vie et à ses propres représentations. Alors, j'avais fait une expérience avec des fourmis. Par exemple, je vais vous donner l'expérience avec les fourmis. J'ai habité en Dordogne pendant 8 ans et il se trouve que la première année, j'ai eu une invasion de fourmis, donc elles sont venues dans mon paquet de sucre, elles ont envahi mon placard de cuisine, il y avait des fourmis partout. Pour moi, c'était absolument horrible de vivre cette expérience. Bon, alors, mon mari s'est chargé d'aller acheter des boîtes à fourmis, et puis voilà, on les a piégées, et malheureusement, voilà, bon, on s'est débarrassé de cette invasion de fourmis comme ça. Et puis, l'année suivante, j'ai eu encore une invasion de fourmis. Donc là, c'était dans ma salle à manger. Donc il n'y avait pas de nourriture dans mes placards, mais j'ai été envahie dans ma salle à manger. Pas de nourriture. Une autre année, eh bien, c'était dans mon salon, alors qu'on ne mange pas dans mon salon, il n'y a toujours pas de nourriture. Et puis, ben, on en a déduit que ben, quand il y avait un coup de chaleur, les fourmis, elles venaient, elles se mettaient au frais dans la maison, parce que j'ai laissé mes portes ouvertes. Et donc, ben, elles venaient se mettre au frais. Enfin, c'est l'explication qu'on a donnée à ces invasions de fourmis. Depuis la première invasion de fourmis, on a acheté des boîtes, on a mis nos paquets de sucre dans des boîtes pour plus qu'elles viennent. Hein. On a tout protégé. Et les fourmis, je les adore dehors, pas dans ma maison. Et par exemple, là, je vous raconte toute cette histoire avec les fourmis, parce que si un jour je rêve des fourmis, ben, vous voyez, il y aura tout mon historique avec mes fourmis. Je ne vais pas donner la même interprétation que quelqu'un
qui est spécialiste des insectes. D'ailleurs, j'avais rencontré un spécialiste des insectes quand j'étais en vacances en Corse, qui était mon voisin de location. Et bien, lui, il va pas du tout avoir la même interprétation de son rêve s'il rêve de fourmis, parce qu'il n'aura pas du tout le même rapport à la fourmi que moi avec mes invasions de fourmis. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, les rêves, ils sont personnels et uniques. Ils arrivent à un moment T. Alors, excepté bien sûr les rêves traumatiques, les rêves qui sont dans un cycle répétitif, comme on a vu tout à l'heure avec Marine, les rêves répétitifs, ou Jung il les appelle aussi, il y a des rêves en série, on fait des séries de rêves. Donc, excepté ces catégories de rêves, là, avec mon exemple des fourmis, vous voyez, le rêve est personnel. Il n'y a que vous qui allez faire ce rêve. Parce que votre rêve est construit à partir de votre vécu, de votre réalité. Et vous n'allez pas faire le rêve pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment un rêve, c'est personnel. Personnalisé aussi, parce que votre cerveau il construit à partir de vos données intérieures, à partir de vos expériences, de votre passé, de votre tout ce que je vous ai énuméré. Et c'est l'interprétation, elle est aussi unique parce qu'elle doit vous correspondre et elle doit prendre en compte qui vous êtes avec votre histoire. Et ça, vous n'allez pas retrouver. Vous n'avez pas retrouvé dans les rêves, dans le dictionnaire des rêves, dans le dictionnaire des symboles, tout ça. Il faut vraiment reprendre, enfin, on peut reprendre son pouvoir. Et votre interprétation, elle sera unique parce que vous êtes unique et que vous avez votre vie, un vécu unique. Et mon interprétation à moi, par exemple, avec mon rêve des fourmis, ben, ce ne sera pas le même que le monsieur que j'avais rencontré qui était spécialiste chez les insectes, parce que lui, il doit avoir un amour et peut-être il n'a pas du tout vécu d'invasion de fourmis et il donnera pas du tout le même sens. Ah, tiens, j'ai rêvé d'une fourmi et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Moi, ce sera totalement différent parce que moi, avec mes invasions, bah, j'ai eu du dégoût, j'ai, voilà, vous voyez, j'ai eu une expérience, on va dire, négative. Je ne vais pas donner le même sens que mon voisin qui était spécialiste des insectes et qui les adore. Donc c'est pour vous dire, on a voilà un rêve qui est personnel, personnalisé, et notre interprétation qui va l'être aussi. Du coup, ce qui veut dire que, par exemple, là, j'ai une autre question qui était dans le questionnaire, et la personne demande, bah, une amie a fait un rêve récemment ou un cauchemar, elle perdait ses dents. Quelle est l'interprétation? J'imagine que ça va dépendre finalement de son histoire, de son contexte, et c'est difficile de répondre comme ça à la question. Oui. Et en fait, il faudrait que ben, j'interroge la personne et effectivement qu'elle nous livre enfin, le contexte de son ami, parce que là, c'est son ami. Alors, ensuite, quand on fait l'analyse, si vous prenez un journal des rêves, que vous commencez à écrire vos rêves, vous pouvez aussi faire le travail. Pour explorer ben, comment je me suis sentie quand j'ai fait ce cauchemar. De vraiment mettre des mots sur ce que vous vivez. Parce qu'il y a des impressions, il y a des émotions, il y a des sensations. Donc déjà, de mettre des mots et de reconnaître qu'est-ce qui se vit là au moment où vous vous réveillez. Comment vous avez, enfin, quelles sont vos émotions, vos sensations, vos impressions? Qu'est-ce qui est vivant et qui est peut-être douloureux pour vous, eh bien de mettre déjà des mots, de reconnaître ce qui est vivant et ce qui se vit, eh bien ça va permettre déjà une première libération. Déjà, mettez des mots. Après, si vous voulez explorer, vous pouvez, donc mon petit journal des rêves, il me sert aussi bah, un peu de journaling, vous savez. Donc, ben, j'écris mes pensées, j'écris ce que j'ai envie d'extérioriser sur par exemple, le mauvais rêve que j'ai fait ou la scène qui m'a troublée. Eh bien, vous écrivez pour vraiment extérioriser, mettre à l'extérieur de vous
ce qui est difficile à l'intérieur, ce qui est mal vécu. Et donc là, oui, pour la personne, je ne vais pas me lancer dans une interprétation. En fait, il faut vraiment prendre en compte le contexte de vie, poser des questions. Et du coup, je ne vais pas me lancer dans une interprétation, on va dire, généraliste. Ça lui apportera peut-être une piste, mais en fait, l'interprétation, elle doit vraiment être personnalisée à la personne. Et prendre en compte toujours son contexte de vie. Ça c'est vraiment, pour moi, quelque chose de fondamental dans l'analyse des rêves. Le contexte, le rêve arrive à un moment précis dans la vie. Les rêves sont souvent uniques. Alors, toujours accepter les rêves traumatiques, les rêves répétitifs parce qu'on n'a pas capté le message, mais sinon, chaque nuit, vous rêvez des choses différentes. C'est vraiment, le rêve, c'est une création. C'est créatif, le rêve est créatif aussi parce qu'il n'y a pas de limite. Tout à l'heure, je vous avais dit, en fait, il y a dans le rêve, mais tout est explorable. C'est vraiment, tout est possible dans un rêve, même l'impossible. Il y a le réel, l'imaginaire. Et le rêve, c'est le no limite. Parce que dans la vie de tous les jours, je pense qu'on est vraiment dans le contrôle de plein de choses. On se retient parfois de s'exprimer, parfois de faire des choses pour ne pas blesser l'autre. Et de ce fait, on retient des choses à l'intérieur, mais les choses, elles vivent en nous. Et au bout d'un moment, elles vont sortir. Donc soit, par exemple, on va s'exprimer, on va être en colère parce qu'il y aura eu un trop-plein d'émotions, il y aura eu un trop-plein de je me suis trop retenue et là j'en peux plus et il faut que ça sorte. Donc il y aura par exemple une extériorisation par la colère, mais si on ne s'extériorise pas par la colère, ben ça peut s'extérioriser par l'intermédiaire d'un rêve qui va venir vous dire il y a quelque chose là, il faut écouter, quelque chose qu'on n'écoute pas, des besoins non respectés. D'accord, merci pour ça. Et je me permets d'une dernière question qui apparaît ici, puis après on arrive au tirage au sort. Donc la question de Sophie, merci Sophie, pourquoi des rêves prémonitoires alors qu'on ne peut pas intervenir pour changer des choses? Alors, pourquoi les rêves prémonitoires alors qu'on ne peut pas intervenir pour changer les choses? Alors, je vais vous dire quelque chose sur les rêves prémonitoires. Moi, je n'en fais pas. Je suis, bon, un peu des fois frustrée quand je sais que certaines personnes font des rêves prémonitoires. Je me dis, oh, c'est dommage parce qu'avec tous les rêves que je fais... Moi, je n'en fais pas. Et par rapport à ma formation d'hypnose, je vous dirais qu'en fait, les rêves prémonitoires, c'est un accès à ce qui est dans l'inconscient. Donc, dans l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Dans l'inconscient, vous avez le passé, le présent, le futur, mais aussi de multiples possibilités. Dans ces multiples possibilités, il y a des multiples réalités. Et imaginons, vous faites un rêve prémonitoire. Le rêve prémonitoire, vous allez vraiment connaître le caractère prémonitoire de ce rêve seulement quand il sera réalisé. Vous pouvez noter vos rêves dans le journal des rêves, mais savoir, est-ce que ça c'est un rêve prémonitoire? Vous ne pouvez pas le savoir avant qu'il ne soit devenu réel, avant qu'il ne soit devenu réalité. C'est après coup. On ne peut pas dire, tiens, cette nuit j'ai fait un rêve prémonitoire. Non, ce n'est pas possible. Il faut que la scène ou le scénario, il faut qu'il se soit déroulé dans la réalité. Et seulement là, on pourrait dire, ah mais oui, mais j'avais rêvé, j'ai fait ce rêve prémonitoire.
Et du coup, effectivement, on ne peut pas intervenir pour changer les choses, mais on ne peut pas savoir en fait le caractère prémonitoire. Enfin, sauf si on a des dons de voyance, et là, on part dans un autre domaine que le rêve, mais on ne peut pas, non, on ne peut pas intervenir pour changer les choses, mais est-ce que en fait, comme le rêve prémonitoire, on le sait que quand ça s'est réalisé, en fait, on ne peut pas savoir. On ne peut pas intervenir. Malgré tout, quel que soit le rêve que vous faites, vous avez toujours votre pouvoir créateur. S'il y a un rêve, alors je ne parle pas de rêve prémonitoire, s'il y a un rêve ne vous plaît pas, cela ne veut pas dire déjà qu'il va se réaliser. Un rêve, c'est une information. On vous livre une information. Qu'est-ce que vous faites de cette information? Est-ce que vous vous dites, oh là là, c'est terrible ce qui est arrivé dans mon rêve. Oh là là, ça va se passer. Déjà, vous programmez une croyance, c'est peut-être une mauvaise croyance. Qui dit que ça va se réaliser? Qu'est-ce que vous acceptez de croire? Est-ce que vous voulez rester en fait dans le mode je subis mon rêve et je vais subir parce que ça va m'arriver? Là, vous êtes en train de, malheureusement de perdre votre pouvoir et de venir vraiment dans le mode je subis, alors que le rêve vient vous donner une info. Et là, vous vous dites, OK, mon rêve m'a dit ça, mais il existe tout un tas de possibilités. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la mauvaise, la négative? Ou est-ce que je me permets, est-ce que je m'autorise d'autres possibilités? Parce que les autres possibilités peuvent exister et que vous pouvez les choisir. En fait, c'est comme si vous avez ce rêve et il y a de multiples directions. Qu'est-ce que vous choisissez comme direction? Est-ce que vous allez choisir la mauvaise, celle que le rêve vous a indiquée? Et pourtant, il n'est pas en train de vous dire que ça va se réaliser. C'est vous qui donnez ce sens. Donc, prenez soin de vous et choisissez quelque chose qui vous soit favorable. Vous dites, OK, mon rêve enfin, m'a montré cette scène ou cette situation qui est difficile, mais... Ben, je remercie mon rêve de m'avoir fourni ça, mais ce n'est pas la réalité que je veux vivre. Alors, je vais choisir autre chose et je vais m'interroger quelles sont mes possibilités, quels sont les autres scénarios possibles, quelles sont les possibilités que je voudrais vivre, qu'est-ce que je voudrais expérimenter dans cette vie. Est-ce que c'est ça là ce que mon rêve m'a montré? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais choisir autre chose. Bien, bah merci beaucoup pour ça. Alors, juste terminer avec Sophie qui répondait à ce que tu disais. Oui, rêve qui ne me concernait pas, confirmé dans la matinée. Ok, Sophie. Voilà. Alors, eh bien, tirage au sort, on y arrive là. Donc, je ferme justement les réponses en fait. Et donc, nous allons faire ce tirage au sort. Eh bien, du coup, Angélique, pour moi, tu es quand même, on va dire, la voix ou le choix innocente. Oui. tu n'as pas du tout accès, enfin, en tout cas, tu vois pas, en fait, le questionnaire, le tirage, en fait, que j'ai mis avec les numéros. Donc, je vais te laisser choisir un numéro entre 1 et 35. Et je précise que là, ça sera un tirage au sort avec donc un cadeau. C'est une séance de 20 minutes de découverte sur l'interprétation des rêves avec Angélique. Merci Angélique pour ça. Donc voilà, tu as le choix entre numéro 1 et 35. Quel numéro tu souhaites pour la séance avec toi? Alors, c'est le 27 qui m'est venu. Le 27.
matin. Le 27, waouh, c'est Antoine Beninato. Antoine Beninato, félicitations. Félicitations, Antoine. Antoine Beninato qui suit ma chaîne depuis un moment, est très actif aussi, avec pas mal de commentaires. Donc, félicitations à Antoine Beninato, si tu es là, hein, tu peux dire un coucou. tu as gagné le tirage au sort de ce soir. Voilà. Pour ceux qui sont toujours là ou ceux qui regardent le replay, je vous invite aussi à rester jusqu'au bout à la fin parce qu'en fait, je vais annoncer le prochain tirage au sort. Et donc, toutes les informations apparaîtront aussi à la fin de ce live. Donc, voilà. Antoine, félicitations. Et voilà, Antoine qui est content. Merci. Également, Alexandra qui te remercie également pour ses réponses. Et on voit que cela vous passionne. Eh bien oui, je vois à chaque fois que tu en parles, ça pétille, tes yeux qui brillent, ton sourire. Voilà, c'est vraiment très, très agréable à t'écouter, à te voir également. On sent aussi Merci. que tu as une ouverture aussi sur le sujet. Tu es rodée, tu es passionnée en fait, et surtout justement, comme tu disais, sur le côté développement personnel, qu'est-ce que ça dit de moi à travers de mes rêves? En fait, c'est un moyen d'être connectée à moi-même, de me découvrir. Et donc, Angélique, tu disais que tu as aussi un programme, c'est ça? Tu Oui, prépares ton il est en cours d'enregistrement. Donc, voilà, en fait, j'ai travaillé cet été à faire une formation en fait sur l'analyse des rêves, mais une analyse des rêves que vous allez pouvoir faire de vous-même en toute autonomie. Donc, dans ce programme, en fait, je vous livre les clés pour vous rendre autonome et faire votre propre analyse et que en fait de pouvoir donner du sens à vos rêves. Voilà, avec bien se préparer. Ensuite, je donne les étapes et puis après, je viens aussi explorer le rêve, les composantes du rêve et puis les questions en fait qui vont vous aider. Parce que moi, je trouve que le questionnement, c'est ce qui va vraiment permettre d'apporter beaucoup de choses. Parce que quand on pose une question au cerveau, ben, le cerveau, en fait, il cherche une réponse. Et là, de suivre un questionnement par rapport au rêve, ben, vous allez trouver vos réponses. Et votre propre interprétation, parce que ben, je vous ai expliqué, hein, votre propre interprétation, c'est vraiment celle qui vous concerne par rapport à ce que vous avez vécu et votre expérience, votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez le mieux interpréter ou analyser vos rêves. Vous êtes la clé de vos rêves, et c'est vous qui donnez le sens à vos rêves. Bien. Merci Angélique. Je donne également en fait sur le chat les informations sur toi. Donc on peut te retrouver sur Instagram. Oui. Tu as également un site internet, c'est ça? Oui. Et également une chaîne YouTube, si tu as Oui. envie d'en parler un peu plus sur ces réseaux. Alors, ma chaîne YouTube, c'est la chaîne qui s'appelle Comptes et Cookies. Je l'ai créée il y a quelques années déjà. Je ne l'alimente plus beaucoup en ce moment. J'ai pensé peut-être aussi la réorienter et proposer des méditations, mais je n'ai pas encore eu le temps de travailler sur tu vois, la remodernisation de ma chaîne. Sinon, sur ma chaîne, en fait, vous pouvez venir découvrir des comptes d'ici et d'ailleurs que je compte, mais en mode relaxation. J'ai eu l'occasion de suivre l'enseignement des 13 mères originelles, donc c'est un conte de sagesse amérindienne. Et
quand j'ai suivi ces enseignements, donc ça dure sur 13 mois. On rencontre une mère par mois qui nous donne des enseignements. Et au mois de juin, j'avais rencontré la mère qui s'appelle la conteuse. La conteuse, en fait, quand j'ai entendu ce conte, ça m'a tellement impactée que j'ai décidé moi-même de redonner, on va dire, vie à ce que j'aimais faire. Quand mon papa est décédé, j'avais 18 ans et je comptais les contes de mes petites sœurs. J'étais présente pour mes sœurs et le soir, je leur racontais des histoires. Et ça les a aidées. Ça m'a aidée aussi moi-même à cette période difficile. Et puis, au mois de juin, là, quand j'avais eu le compte de la conteuse, il se trouve que j'étais secrétaire de mairie dans mon village et je m'occupais des enfants aussi le midi. Je venais en renfort parce qu'il n'y avait pas assez de personnes par rapport au nombre d'enfants à encadrer. Et donc, j'ai repris contact avec les comptes. Et puis, quand mon contrat s'est arrêté, eh bien, je me suis dit, oh là là, c'est dommage, j'aime bien compter, raconter des histoires. Et je me suis dit, bah, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Sauf que je vais pas raconter des contes où on va me voir avec la caméra. Là, j'ai voulu faire les contes pour vivre un moment de relaxation. Donc, je vous invite en fait à vous mettre dans une posture de relaxation et d'écouter un conte les yeux fermés pour vraiment vous imprégner. Parce que les contes font voyager, ils nous emmènent vers un autre ailleurs, ils nous font vivre des aventures aussi, un peu comme les rêves de nuit qui nous font vivre des aventures. Et bien là, les contes, je trouve aussi que on vit des aventures à travers les contes, on s'échappe de notre présent. Et voilà, du coup, j'ai créé cette chaîne. Alors, si vous avez des idées de contes, vous pouvez m'écrire aussi des contes que vous aimeriez entendre. Je peux être à votre écoute et entendre vos suggestions, ça me fera plaisir. Et voilà pour l'histoire de ma chaîne des contes. Eh bien, j'ai envie de dire que le compte est bon. Alors, est-ce que je peux juste... Il y avait Sophie, alors elle avait écrit quelque chose sur le rêve prémonitoire qu'elle avait fait, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, je vais Elle avait voir. rêvé, en Bah fait... oui, voilà. De deux avions qui se percutaient au-dessus de la mer et en se réveillant, elle en a parlé aux infos, c'était confirmé. Alors, tout à l'heure, je vous disais, en hypnose, en fait, on a accès à l'inconscient. L'inconscient, vous avez le passé, le présent, le futur, avec toutes les possibles. Et effectivement, quand on fait un rêve prémonitoire, c'est que Sophie, elle a eu la faculté, la facilité d'aller se connecter à l'inconscient collectif. Parce qu'on a notre inconscient individuel en tant que personne, et après on a l'inconscient collectif où l'histoire de l'humanité, elle est dans cet inconscient collectif. Donc ça, je vous laisse, si vous voulez en savoir plus, faire vos recherches sur Jung et l'inconscient collectif, vous allez trouver de la matière. Et puis, quand Sophie, en fait, elle a rêvé, elle s'est connectée, en fait, à un futur qui allait se passer. C'est comme ça que j'explique les rêves prémonitoires, c'est d'être dans un état de conscience modifié et d'avoir accès dans l'inconscient collectif, avoir accès soit au passé, présent, futur. Et là, Sophie, l'expérience qu'elle a fait, c'est effectivement d'avoir ce flash de ce qui allait, de ce drame qui allait se passer en fait. Mais je voulais juste apporter une explication parce que on a parlé de ces rêves prémonitoires. Mais on ne peut pas savoir le caractère du rêve prémonitoire avant qu'il ne se soit réalisé. Sauf si on est voyant, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Et en tout peut-être cas. que c'est aussi à nous de mieux nous connaître. Et même, en fait, je pense que c'est important de faire confiance à nos ressentis. Il y a des ressentis qui, on sait quelque part, je pense que c'est prémonitoire, mais sauf qu'on n'a pas envie de l'admettre parce qu'on a peur. C'est Oui, que et puis on a peur. quand on reçoit comme là des informations qui sont difficiles et dramatiques, moi j'ai des visions, pas sous forme de rêve. Dans mes rêves, je ne fais pas de rêve prémonitoire, mais j'ai des visions aussi sur le futur. Et malheureusement,
En tout cas, comme Sophie, en fait, quand on rêve, enfin, là, l'arrivée de quelque chose de dramatique, moi, quand j'ai mes visions aussi qui sont difficiles, en fait, on se sent impuissant parce qu'on n'a pas envie que ça se passe, on n'a pas envie que ça se réalise et on n'a pas possibilité d'intervenir. Ouais, du coup, je comprends mieux son message tout à l'heure. On ne peut pas changer les choses parce que malheureusement, on a eu accès à une vision future qui devient malheureusement réalité. Et là, on n'a pas de pouvoir d'agir puisque en plus, bon, là, c'est pas sur sa vie personnelle, c'est encore dans le collectif. Ça impacte des autres personnes. C'est encore plus difficile d'avoir un pouvoir sur quelque chose qui ne concerne pas nous directement, parce qu'on peut agir sur notre réalité, mais pas là, en plus, celle des autres dans le collectif, c'est encore plus compliqué. Et Sophie qui dit, les rêves ne s'impriment pas tous de la même façon. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, donc ouais, pour terminer, c'est que au final, il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Et le fait qu'on capte ce message-là, qu'est-ce qui fait que l'inconscient collectif, hein, en fait, vient nous parler, ce n'est pas un hasard non plus. Il y a des choses, en fait, qui sont là pour être là, qui a besoin de se passer, mais qui apparaissent tout comme nos émotions, tout comme nos pensées qu'on appelle aussi négatives, apparaissent afin d'être reconnues et libérées. Et donc, pour moi, voilà, ces rêves-là où on peut se dire je suis impuissant, ben oui et non, c'est-à-dire que sur l'événement lui-même, peut-être qu'on ne pourra pas changer, mais ce qu'on pourra en fait activer, enfin, sur lequel on peut actionner, c'est comment est-ce qu'on reçoit cet événement? Et comment justement on permet à cet événement de se libérer par notre accueil. Voilà. Pour moi, c'est la sensation et du coup le message que je reçois. Comme par exemple, ben voilà, ces âmes-là qui partent, eh bien en fait, dis, ben voilà, au moins il y a des gens qui nous ont reçus, qui savent qu'on était là. Et qui ont vécu ce qu'on nous on aurait voulu que transmettre, par exemple. Et en fait, on a envie, par ce message-là, c'est une prière, par exemple. Prière Oui. de nous accompagner. On envoie ça parce qu'on n'a pas envie de partir seul. Voilà. Et finalement, pour moi, le fait de prendre ce message-là de cet angle-là permet en tout cas de retrouver la paix en moi et aussi donner sens en fait à ce qui pourrait m'arriver si jamais c'est quelque chose qui m'arrive et de retrouver en fait une harmonie, un sens. Et merci, Simon, vraiment, parce que c'est très beau, en fait. Ça me touche, en fait, que tu dises on peut leur envoyer une prière. Parce que, ben voilà, on pense, enfin, dans notre société, tu vois, on est quand même très individualiste. Et là, de penser, tu vois, juste une prière pour ces âmes qui partent, je trouve ça tellement beau et dans une générosité de cœur. Du coup, voilà, je te le dis, ça me touche. Merci. Non, mais c'est beau, merci à toi. Et je sais que tu fais justement du travail énergétique pour libérer les mémoires. Et c'est un beau travail que tu fais pour le collectif. Bravo à toi. Merci, merci à toi. Et puis j'ai envie de dire que bah, du coup, il n'y a pas de hasard que finalement, si on retrace les événements, Sophie qui a eu ce message-là. Qu'elle aujourd'hui qu'elle participe à ce live, qu'elle nous partage en fait ça, que moi je l'ai occulté parce que ouais, je voulais qu'on arrête, mais que toi tu as vu et qu'on revient dessus pour la fin, je trouve que il n'y a pas de hasard. Alors, ben je vous invite tous à avoir une pensée, ben voilà, pour ces âmes, juste une pensée du cœur, parce qu'on est là tout ensemble, enfin tous et toutes, tous ensemble. Et voilà, une pensée d'amour pour ces âmes. Eh bien, parfait. Ce qui me vient, si tu permets, bon, du coup, pendant ce moment, je ressens on va, un chant qui vient. Donc, je vais le faire. Avec plaisir.
Merci pour ce moment. Merci du monde. Et merci à Sophie d'avoir relayé ce partage aussi. Inattendu. Merci à Sophie, oui. Et merci aussi à chacun des participants et des participantes. Merci pour votre présence ce soir. Merci beaucoup et puis merci surtout à toi aussi, Angélique. D'avoir accepté de faire ton premier live. Et tu l'as fait, waouh, comme si tu as toujours fait de ta vie, avec une telle clarté, un tel calme, mais aussi une manière très experte en fait. Et ça, personnellement, ça me donne très envie, voilà, de continuer d'en savoir plus sur toi et aussi de travailler avec toi. Voilà. Merci Zhuang, merci de Merci. m'avoir invité et de m'avoir donné cette opportunité. Merci, avec grand plaisir. Et puis, donc, je profite pour vous nous annoncer le prochain événement donc, qui aura lieu le 9 novembre. Et donc là, cette fois-ci, nous allons sur un autre terrain. Ce n'est pas les rêves, mais c'est avec les cartes. Donc, je vais vous communiquer le super flyer que j'ai fait, si j'arrive à le trouver. Donc là, je ne le trouve pas. Alors, ah voilà, peut-être que c'est là. Bon, je vais me réorganiser la prochaine fois pour ça, parce que je ne retrouve pas comment faire pour partager l'écran. Mais en tout cas, je vous envoie ici le lien, parce qu'il y a aussi un tirage au sort. Donc, le thème du live du 9 novembre, c'est la magie des cartes et des oracles. Donc, ça sera cette fois-ci à 21h. À 21h, donc, je vais vous mettre là, ici, en lien. Voilà. Participer au prochain tirage au sort du 9 novembre. Donc, là, du coup, c'est facile à retenir. Donc, il n'y a pas d'accent. Voilà. C'est Oracle 0911.
Donc, j'ai fait un mauvais. J'ai cliqué sur un mauvais bouton et donc, du coup, je suis sortie. Mais voilà. Donc, vous avez le lien ici. Et je vous dis, du coup, à très bientôt. Donc, le 9 novembre, cette fois-ci, c'est à 21 h. Répondez au questionnaire. Donc, pareil sur les questions. Nous allons partager nos expériences hein, de tirage de cartes. Donc, c'est avec Alexandra Bérardeau. Avec Alexandra Bérardeau. Et nous allons voilà, partager nos expériences de tirage et aussi éventuellement, si vous avez mis votre question problématique que vous souhaitez qu'on réponde au tirage, eh bien, on pourra peut-être aussi le faire en live. Voilà, merci beaucoup pour votre suivi, pour votre participation. Au bout de 2 h 12, hein, c'était inattendu ce qui s'est passé, en tout cas pour moi, mais c'était très beau ce qui s'est passé. Donc, vraiment, gratitude et je suis vraiment très heureuse pour ça. Donc, à très bientôt au live du 9 novembre à 21 h. Et avec, Angélique, je te dis à tout de suite, reste Ok. ici. Merci beaucoup. Voilà. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.